Au revoir papa et maman. Oui Noémie, tu peux y aller. À demain. À demain. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Oui, ça a été. On a parlé des planètes, mais surtout de Pluton. Ah bon? Et pourquoi surtout de Pluton? On ne sait pas grand-chose sur elle, pourtant. Parce que madame nous a dit que Pluton n'était pas une planète, alors que dans les livres, ils disent tout le contraire. On voulait savoir pourquoi. Mais dis donc, papy, tu as l'air de t'y connaître. T'as appris ça à l'école aussi? Oh oui, mais il y a fort longtemps, tu sais. C'est surtout que j'ai toujours aimé l'astronomie. Ça a commencé quand mon grand-père racontait son travail dans un grand observatoire aux États-Unis. Waouh! Ton grand-père travaille dans un observatoire? Tu me racontes, dis? Oui, je te raconterai ça à la maison. Viens, sinon mamie ne sera pas contente d'être dérangée si son feuilleton est déjà commencé. Si je vois pas le début, je comprendrai pas la fin. Ça va, ma chérie? Hein? Tu as faim? Oui. Eh bien, va vite, ton dîner dans la cuisine. Bon, alors, ça y est, tu me racontes cette fameuse histoire, papy? Quelle histoire? Celle de ton grand-père, t'as déjà oublié? Mais non, je te taquine. Mon grand-père a eu la chance de pouvoir travailler quelques mois aux États-Unis. C'était un astronome. Clyde Tombaugh était un homme qui était à la recherche de la planète X. C'était quoi cette planète? Achoum! Mais en fait, des astronomes avaient mal fait leurs calculs, elle n'existe pas. Et ensuite? Ensuite, étant à la recherche de cette planète qui n'existe pas, il a trouvé Pluton. Ah, d'accord. Tu sais me dire en quelle année on a découvert Pluton? Si je me souviens bien, en 1930. Dis, mais tu as fini de poser un tas de questions comme ça? Tu veux que je t'explique ce que madame nous a expliqué? Très bonne idée. Au moins, ça évitera de me poser des questions. Eh bien, madame nous a expliqué qu'en 2006, une grande réunion s'est déroulée à Prague. Il y avait 2000 personnes. Tu te rends compte, grand-père? Ils ont voté à main levée. Ça devait être un grand événement. Et pourquoi ce vote? En fait, des astronomes ont décidé que Pluton ne devrait plus être considéré comme une planète. Et tu sais pourquoi? Non, mais allez, dis-le-moi. En fait, des astronomes ont décidé ça car Pluton était trop petite, trop éloignée du Soleil et elle n'est pas comme les autres vu qu'elle n'est ni solide ni gazeuse. Ah oui, c'est une bonne raison en effet. Ah mon petit chou, tu m'as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que je n'ai pas l'air plus jeune qu'avant? Si tu le dis. Et ce souper, c'est pour quand ?